Avant que la vidéo commence les gars, j'ai 5 grosses annonces à vous faire. La première, c'est quelque chose que vous me demandez très très souvent, c'est d'avoir un serveur Discord. J'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai enfin créé le serveur Discord. Du coup voilà, il est juste ici, NQ Pet Simulator. Donc si vous voulez discuter avec moi les gars, avec Blouse le modérateur, avec toute la communauté Pet Simulator, eh bien n'hésitez pas à rejoindre. Pour rejoindre, c'est très simple, vous allez sous n'importe quelle vidéo, vous allez dans la description, vous avez toutes les informations. On a le serveur Discord et du coup, une fois que vous cliquez sur Discord, vous allez être invité directement dans le serveur. La deuxième annonce les gars, c'est de rejoindre ma chaîne Twitch. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui l'ont rejoint. On essaye de rush les 200 abonnés avant la fin du mois. Sur cette chaîne, vous le voyez ici, je fais plein de jeux vidéo. Donc tous les mercredis et samedis 20h30 live Roblox, et tous les autres soirs de la semaine on fait plein de jeux comme du Rocket League, du Valorant, du Honkai, du Gartic Phone entre abonnés, il y a même du Fortnite des fois. Donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre, à l'exception de ce soir les gars, car ce soir il n'y aura pas de live à 20h30 mais vers 3h du mat jusqu'à au moins début d'après-midi 14-15h, je serai en live pour jouer à Wuthering Waves, le plus gros jeu qui sort cette année. Et puis pour ceux qui vont dormir à 3h du matin, n'hésitez pas à venir le lendemain matin quand vous vous réveillerez. La quatrième annonce que j'avais à vous faire les gars, c'est vous rappeler qu'aux 10 000 abonnés, je vais offrir mon deuxième huge sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à rush les 10 000 abonnés en envoyant ma chaîne YouTube à vos amis, en la partageant à vos proches, etc. Et puis comme ça, aux 10 000 abonnés, énorme concours de huge, et puis peut-être un jour un Titanic, on l'espère. Et la cinquième annonce, c'est sur la chaîne secondaire où je fais tous les jeux que je veux. Dès que je veux faire une vidéo, je la fais sur ma chaîne secondaire. Et je ne fais pas que des jeux d'animé les gars, je fais aussi pas mal de Roblox. Vous voyez qu'ici j'ai fait Don't Get Eliminated, j'ai fait un jeu Roblox Doors, j'ai fait SpongeBob Simulator, j'ai fait Poppy Playtime sur Roblox. Donc il y a plein de jeux Roblox, plein de jeux d'animé sur ma chaîne secondaire. Et on rush les 100 abonnés, on y est vraiment très presque. Donc merci beaucoup les gars. Dans cette vidéo les gars, il y a un énorme concours pour gagner un pet quand même plutôt rare. C'est le chat super-héros. Vous le savez, il n'y a pas longtemps il y avait des œufs super-héros et je me suis dit pourquoi pas faire gagner un chat super-héros qui ne vient même pas des œufs. D'ailleurs, c'était un ancien exclusif celui-là, et franchement il est très mignon. Il vaut quand même 2,300 millions de diamants, donc c'est franchement pas mal. Il y en a que 70 000 qui existent. Et les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le signer, hop, et on va le renommer Super End. Hop, validé Super End. Et du coup les gars, pour gagner Super End, c'est très simple, vous me dites votre pseudo dans les commentaires, vous avez l'habitude, pour que je vous envoie le cadeau. Et cette fois-ci les gars, on va tester quelque chose. Pour participer, vous allez aussi devoir mettre un petit like. Je n'ai jamais fait ça les gars, mais j'ai envie de tester pour voir si ça marche. Allez, bonne chance à tous. Dans la dernière vidéo, il y avait un exclusif à gagner, et aujourd'hui les gars, parmi tous les commentaires, on va tirer au sort le vainqueur. Donc c'est parti, on est sur le même site que d'habitude. On met l'URL de la vidéo, on fait select random comment et... Oh, XTK 2017, bien joué à toi, Violet pseudo Tanjiro. Eh bien, bien joué à toi, mon gars. Du coup, c'est parti, les gars, on est directement en jeu. On va lui envoyer son petit cadeau à Tanjiro, le Purple Cats. Hop, c'est parti, on l'envoie. Bien joué, BG. Hop, envoyé, oui, oui, envoyé, je suis sûr. Et tadam, cadeau envoyé. Ok les gars, le site du Big Game vient tout juste d'être réinitialisé. Donc c'est ici qu'à chaque mise à jour je vois les updates etc que je vous parle en vidéo. Mais du coup je me suis dit pour une fois, pourquoi pas le faire ensemble. Du coup c'est parti, donc prison update featuring. Donc il n'y a pas marqué World 3 les gars, il n'y a pas marqué World 3. Je vous l'avais prévu, je l'avais prédit pardon. Je l'avais dit, personne ne me croyait, c'était pas le monde 3 les gars. C'est juste la mise à jour prison. Donc featuring le Rebirth numéro 8, supérieur mini chest. Black Hole, 600+, paid damage, des rewards, ok. On a du coup le Prison World avec quelques petits mondes. On a 9 nouveaux pets dans les œufs. On a 3 nouveaux huge, même si sur l'image il y en a 4. 4 nouveaux œufs. Un prisonnier Preston avec un coffre. Il faut une clé pour le débloquer. Le Void Hub, donc un peu comme dans Pet Simulator X, avec plein de trucs un peu partout. Une nouvelle Void Spinny Wheel. Que je n'ai jamais. Moi j'ai toujours les huge des coffres, mais j'ai jamais ceux des chests comme ça. Le chest par contre, ça je vais l'avoir 100% parce que je vais acheter 40 000 clés. Donc préparez-vous pour voir une vidéo là-dessus. Les nouvelles currency. Ici on a l'event prison comme d'habitude qui est un peu pourri. Je vais jamais le faire parce que c'est les events bizarres, vous savez. La bataille de clan. Bon, la bataille de clan avec le clan GEK, je pense pas qu'on réussira à atteindre le top 50 malheureusement. Top 500 ça sera déjà très bien et on aura une jolie récompense. Du coup voilà, maintenant en plus vous avez des rainbows, des gold, etc. Il y a un supérieur chest mimic, mini chest, qui apparaît un peu partout avec le nouveau rang 29. On a un achievement de casser 50 supérieur mini chests et des petits changements avec, ils ont enlevé Herobrine dans les back et le backroom event. C'est quoi Herobrine? C'est dans Minecraft ça. Ils ont acheté des golden huge à Pyrock, trading à je sais pas quoi.
Bon bref, vous avez compris. En tout cas les gars, c'est parti pour la petite mise à jour. Qu'est-ce qu'ils disent dans le chat? Trop mignon les nouveaux pets. Prince qui va faire le pigeon. Le site fonctionne. Prince, on peut s'ajouter. Bon les enfants, il a plus de place en ami. Fais pas le malin. Ouais, il va beaucoup pigeonner. Faut pas le dire. Bon, bref. Il parle même pas de la mise à jour. Je sais pas ce qu'il raconte. Moi, les gars, je suis en train d'hatch un peu le dernier œuf parce que vous le savez, mais à chaque nouvelle mise à jour, il y a plus de chances d'avoir un huge. Donc, je me suis mis au max pour essayer d'en drop un. Mais bon, je pense pas que ça va être en 10 minutes, les gars, que je vais avoir un huge comme ça. Mais bon, pourquoi pas, je me suis dit, juste avant la mise à jour, un petit huge, les gars. Moi, je dis pas non. Et du coup, d'ailleurs, regardons tous ensemble. Là-bas, la fontaine, il y a marqué quoi? Ah, je crois qu'il y a marqué Updating Now. Ouais. Donc, faut attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Et puis, c'est parti, c'est parti. Oh! OMG! Enfin! Putain, les gars, on était en train de dire la mise à jour, elle est plus longue que Internet. La mise à jour, elle est plus longue que le Mont Everest. Et y a Oxymog, il a dit plus longue que ma. Après, on a dit chef, chef. Et là, ça a relancé direct. Ok, prison, river suite, prison pet, prison egg, prison cell, prison truc, void, void spinning ticket, void chest, void currency. Non! Comment ça, j'ai été kick? Non, c'est une dinguerie. Toujours, je me fais kick, moi. Frère, laissez-moi. Ils veulent m'expulser, les gars. Ok, je re-regarde. Global event, clan event, supérieur, rank, chest, bidule chouette. Ok, bon, j'ai rien compris. Bref, c'est pas grave. On va directement là-bas. Et prochaine mise à jour, les gars, dans une semaine. Ok, les IPEG, on connaît. Non, faut le prendre maintenant, le Rebirth, vous pensez? Oh, les bâtards. Ah, les bâtards. Chest not spawn randomly. Ok. Spectre stronger. Travel to the void. Et plein de récompenses. Ok, c'est parti. C'est parti, mon kiki, le rebirth. Non, c'est un peu des bâtards. C'est un peu des bâtards. Ça va être trop long. Oh, ça va être trop long. Oh, frère. C'est trop des bâtards. C'est quoi les récompenses? Oh, une void key. Trop bien. Et un peu de diamant. Ok. Alors du coup c'est parti, je vais mettre mes meilleurs enchantes. Mais regardez! Regardez, regardez bien, attends, regardez. Mais le titre. Mais. What? Mais regardez! Mais le Titanic il est dans mon équipe, attends. What the fuck? What the fuck? Mais what? Regardez, mais regardez! Mais c'est pas un troll, je suis sur le Titanic là. What the fucking fuck? Vous savez ce que je vais faire les gars? Je vais changer de monde en restant sur le Titanic pour voir si ça va me le transférer. Ok, c'est parti. On est là direct. Donc là, ce qu'on va faire les gars, c'est que je vais monter sur le Titanic. Hop. Et là, comme ça, j'appuie sur E et je traverse le monde sur mon Titanic. What, what, what? Il se passe quoi? Il se passe quoi? Je me fais aspirer par le trou noir! Dans un trou noir géant! What, what? OMG, l'animation de Bazey! Wesh, c'est la première fois qu'ils font des trucs aussi calicatif. Pardon, pardon. Je voulais dire qualitatif. Ok, skip. Attention. Oh, OMG! Oh non, j'ai perdu le Titanic. Bon, dommage. C'est un peu triste. Alors attends. Bon, les IPEG, laissez-moi tranquille. J'en ai ouvert 500, j'ai pas eu de huge, donc c'est bon. Alors du coup les gars, qu'est-ce qu'on a de beau? On a ici le monde de la prison. Ok, ici on a du coup j'imagine ouais l'ancien monde. Ici on a des œufs très stylés. Wesh, pourquoi lui il a que des pets shiny? What the fuck? Il fait la collection des shiny ce mec. Où est-ce qu'on a l'autre monde? Attendez. Alors déjà il y a une salle VIP là avec plein de coffres, trop drôle. Attends, mais c'est stylé en vrai. Attends, je vais remettre tous mes pets. J'ai envie de tout tester les gars. Pardonnez-moi si je prends mon temps. Mais j'ai envie de tout tester. Regardez, il y a des coffres qui apparaissent et tout. Je vais laisser mes pets là, vous savez quoi, en attendant. Du coup, il y a une nouvelle money, comme on peut le voir juste ici. On a un super computer. Ah oui! Avec toutes les machines. Ah oui, pas mal. Ah, mais là, c'est cool, ça. C'est-à-dire que t'as même plus besoin d'aller dans les mondes pourris. Dans la mailbox, on a des cadeaux, bien sûr. Les gold pets, juste là. Ici, on a les rainbow pets, que je vais faire juste maintenant, tout de suite. Parce que j'ai une quête où il faut en faire un petit peu.
Ici, on a les tickets et je vais pas l'utiliser tout de suite. Et ici, du coup, on a le nouveau truc avec les clés. Et c'est parti. Premier truc. Allez, le huge, le huge. Oh putain, non, tap power. Oh, tap power, dommage. Et là, je vais pas l'utiliser parce qu'il n'y a même pas l'axolot sur la roue, donc ça sert un peu à rien. Ça serait du gâchis. Je vais changer d'enchant et je vais mettre celui-là pour avoir plein d'items très cool. Et du coup, on n'a plus rien après. Après, il n'y a plus rien. Donc, on va directement changer de monde. C'est parti. On peut voir l'event juste là. C'est quoi l'event? Il faut faire quoi? Collect a prison key pour avoir un pet de chat. Donc, je l'ai, j'imagine, le chat, non? Je pense que je l'ai. Attendez. Il est où? Ah oui, il est là, regardez. Robber Cat. Trop bien, trop bien, trop bien. Bref, assez parlé, assez bavassé, assez chamaillé. On va directement dans le nouveau monde. Et c'est parti. Ok, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a des petits pets. Ok, un singe et un chat. Très stylé. Ici, on a Go to the Void. Ok. On va ramener mes petits pets juste là. Putain, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc là, la quête, c'est faire 400 breakables. Et après avoir cassé... Bon, lui, par contre, il abuse. Frère, dose. Mais les gars, il dose pas, lui. Mais dose. What the fuck. Mais il veut... Mais... Wesh, wesh, what. Mais pourquoi il y a 40 000 pets comme ça, là? Non, mais frère, les gens, ils dosent pas. Non, mais faut doser. Mais regardez-moi tout ça. Il y a plus de pets que... Que j'ai une meuf. Bon, c'est pas compliqué en même temps. J'avoue que ça fait beaucoup de pets. Ça fait beaucoup de pets. Et là, c'est quoi? Hatch 100 of your best egg. Ok, c'est parti. On y va direct. Oh les gars, attends, je suis désolé. Je vais baisser la qualité parce que là, ils veulent que je meure ou quoi? Frère, comment ça lag là? Ils sont malades. Ils sont fous, ils sont fous. Ok, donc là, il faut que j'en hatch combien? 100, je crois. Ah, mais ça va être compliqué hein, si je gagne pas beaucoup de pièces. Ah oui, les pièces, c'est un peu long, hein. C'est un peu long à monter. Un peu long, long. Bon, pendant ce temps-là, les gars, je vais répondre à des petits messages Twitter. Non, Discord, pardon. Discord. Ok, j'ai ouvert combien d'EF, là? Vous en avez ouvert combien? Attends, je vais voir. Il m'en manque... Il m'en manque 4, il m'en manque 4. Go, 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 go. Ok, c'est bon. Nice. On peut se changer de truc. Quoi? Make 3 golden pets. Non, c'est des bâtards. Il faut que je retourne au void, ça veut dire, j'imagine. Hop, on se barre de là. Oh, regardez mon serveur de malade, les gars. Il y a que des niveaux max. C'est quoi ce serveur de fou furieux? C'est frère, ça y est. Il faut que je fasse des golden pets, du coup. Est-ce que j'imagine que c'est bon normalement? Ok, bon, on va dire que c'est bon. Est-ce que je peux me téléporter direct à void? Ah, je peux pas me téléporter à la prison. Je suis obligé de venir là pour se téléporter. Un peu chiant en vrai. Mais tranquille, tranquille. Faut qu'ils arrêtent avec leurs explosifs, eux, ils sont malades. Faut arrêter les refs, calmos. Ok, on continue, juste là. Hatch 500 au fur best egg. Ouah, les quêtes, elles sont trop chiantes, les gars. Je vais voir, attendez, il y a combien de... Ah, ça va, il y a que 204 mondes. Ok, c'est parti pour hatcher des petits œufs. Il faut que j'en ouvre combien déjà? Je sais même plus. Pas mal, hein, en tout cas, je pense. Oh Théo, regardez, il a le truc niveau 100. Il a l'overboard de niveau 100. Ah non, il faut que j'atche encore 500 pets. Attends, enfin encore 400 du coup plutôt. Ah ouais, c'est un peu long leur bêtise là. Ok, on continue. J'en ouvre un max. Un max de chez max. Et vous savez, pour être optimisé, regardez, on fait auto hatch et on ouvre 6 par 6. Comme ça, c'est optimisé les gars. Regardez, normalement ça devrait s'ouvrir tout seul. Ok, 6, 12. Normalement j'ai optimisé le truc, ça va s'ouvrir à l'infini tout seul. Vu que je gagne plus de pièces, ça devrait être bon. What did Preston do to get locked up? Pas compris. Mais, ah si, il s'est fait emprisonner. J'ai vu. Preston, il s'est fait emprisonner dans la prison. J'ai capté, j'ai capté. Bon, attends, par contre, on va enlever l'auto-hatch en fait, c'était une mauvaise idée. Et on va ouvrir direct par 70. Ah, par contre, c'est un peu long quand même. Hein. Comment je sais quand ma quête elle est finie? Je pense ils le diront, je pense. Allez, plus vite, plus vite. Go, go, go. Power Rangers. Ça n'a rien à voir. Allez, on continue. Ah, il y a un mec, il a l'overboard top 10. Bon, après, moi aussi je l'ai, donc faites pas le malin avec moi, toi, mon petit coquinou.
Ok, on continue. Je vais aller voir, je suis à combien, les gars? Par contre, mon overboard, il est plus lent que d'habitude ou je rêve? Attendez. Je me suis pas trompé. Non, j'ai bien mis le shiny. Ok, je suis à 330. Je suis à 330. On continue. Donc j'en suis à 330. 360. Ok, 360. 390. 390. Attendez, je vais attendre de gagner des pièces. Encore, 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 encore. 15. Allez, 300. 400 là. Là, on est à 400. Putain, c'est long quand même, hein. Ok, il me manque encore 100. Il me manque 100. Il me manque 100. Ok, on va attendre un peu. Comme ça, je vais tous les ouvrir d'un coup, c'est plus rapide. Mais pourquoi lui, il a la collection des pets gold? Il a que des pets gold, lui. What the fuck? À moins que ça soit un bug de duplication, parce que on dirait qu'il a tout le temps le même chat. Ok, 77, on y est presque. 77, 88, ok. 95. Et c'est parti, c'est bon. C'est bon, quête suivante. Et faire 3 Rainbow Pets. Ok, 3 Rainbow Pets. Go, 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 go. Hop, on prend le canon. Go, go, go. 3 Rainbow, 3 Rainbow. Vite, vite, vite. Juste là. Boum. Du meilleur ref, donc j'imagine de celui-là. Ça marche pas. Attends, si je fais 3 comme ça marche. Ah oui, c'est bon. Ok, bye. Nice, nice, nice. Ah, mais en fait, on est dans le même monde. Les gars, on est dans le même monde, en fait. Ok, j'ai acheté le nouveau truc. Il faut break a coin jar. Ok, break des coin jars. Ça devrait pas être trop dur. Ok. Ah, une seule en plus. Ah, mais une seule, c'est simple. Faire des rainbow pets encore. Ouais, ils abusent. Go, 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 go. Putain, en vrai, je trouve le concept assez rigolo de devoir faire des quêtes. Mais en fait, c'est un peu chiant, quoi. Genre, le concept est cool, je dis pas le contraire, mais. Fouah, c'est chiant, quoi. Par contre, attends. Où sont mes pets là? Ah, il me faut des golden, c'est vrai. Pour faire un pet rainbow, il faut déjà des golden. Pas bête la bête. On va faire avec le petit chat. Hop. Voilà, parfait. Et comme ça, au moins, je peux réussir à faire trois petits chats arc-en-ciel. Boum! Ok, quête suivante, c'est parti, on y va. Et après, on est à la dernière zone, enfin. Ça va être sympathique de baiser. Ah non, c'est 5 rainbows! Merde! 5 rainbows, go, 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 on y retourne, go, go, go! Pas de temps à perdre, pas de temps à perdre. Il m'en manque deux, il m'en manque deux. Vite, vite, vite. Purée. Purée de pommes de terre. Ok, le premier. Et le deuxième. Vite, vite, vite. Ok, nice, nice, nice. You complete the quest. Oui, merci. Go, 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 on y retourne. Par contre, le problème, les gars, imaginez, il y aurait genre 100 zones. 100 zones avec des quêtes. Ça aurait été trop chiant, je pense. Ça aurait été tellement chiant. Heureusement que c'est pas le cas. On va manger des petits trucs. Hop. Non, pas ça! Non! Putain, j'ai mangé mon cristal! Mon cookie, pardon. Putain, j'ai mangé un cookie, les gars, qui était super rare. Bon, j'abuse, c'est pas le truc le plus rare du monde, mais. Quand même, c'est mon cookie! J'ai mangé mon cookie! Un peu chiant, quoi. Ok, là, littéralement, les gars, je bois toutes les potions. Parce que la quête, c'est d'obtenir des clés. Donc, je fais mon maximum pour farm un max. Et comme ça, au moins, je vais réussir à obtenir des clés. Hop, et bah les gars, je vous retrouve dès que j'ai réussi à farmer des clés. Ok les gars, on se retrouve quelques minutes après. Et j'ai eu la meilleure idée de toute l'année, les gars. J'ai changé de serveur. Et en fait, le fait de changer de serveur, les gars, ça veut dire qu'il y a des mecs moins haut niveau. Si vous regardez dans le chat, je suis le mec le plus haut niveau. Il n'y a que des mecs qui sont niveau 10 et 17 entre ça. Et du coup, ce qui est cool, bah, c'est que ça farme moins. Et comme vous le voyez là, je suis en train de farmer de fou, les gars. Et c'est trop bien parce que bah, il n'y a pas de mecs qui sont en train de me voler mes pièces, etc. Et donc, ça, c'est incroyable. Bon, je sais pas si vous avez tout compris à ce que j'ai raconté, mais j'espère que vous avez compris. Alors, du coup, on va mettre hop, tout ça, boum, boum. Et on va hatch, bam. Et j'ai eu un Golden Bunny. Ok. J'aimerais bien voir si j'ai le meilleur pet du jeu pour l'instant. Quel est le meilleur pet, les gars? Et le meilleur pet, c'est. Le bunny, et bah je l'ai en shiny. Ah non, le chat, attends. Prison bunny. Ah non, c'est le chat le meilleur. Le chat détective. Est-ce que je l'ai? On va voir. Ah, je crois pas. Ah si, il est là, pardon. Ok, le chat détective, je l'ai. Donc normalement, je devrais farm plutôt vite. Bon, plutôt vite,
Mais pas sûr, hein. Pas sûr, hein. Du coup, attends, j'ai une autre technique, les gars. On va s'enlever quelques enchantes pour se rajouter du strong pets, du tap power, du critical. Magnifique. Comme ça, on va casser beaucoup plus vite les choses. Et qu'est-ce qu'on pourrait se rajouter de plus? Le boss chest, pourquoi pas. Je sais que ça donne pas mal de loot. Pareil pour le boss lucky block. Je sais que ça donne pas mal de loot. Donc je pense que si on se met un petit enchant un peu comme ça, on peut réussir à farmer plutôt vite. Ok, d'ailleurs les gars, vous savez ce qu'on va faire? Pendant que je suis en train de farmer un petit peu, on va aller se balader un peu et chercher des trucs. Du coup ici on a quoi? On a PS99 prison. Ok, plutôt cool. J'ai l'impression qu'on peut pas rentrer pour l'instant. Ou alors il faut un code secret, je ne sais point. I don't know my friend guys. I don't really know. D'ailleurs on va continuer d'ouvrir des œufs puisqu'il nous faudra le détective en shiny pour que ça soit encore plus rapide. Dans la zone numéro 2, on a la prison. What the fuck, il y a Hume en prison. Il y a Wallace et Gromit en prison. To the Key prison. Il y a le prisonnier Yuro. What the fuck. Et le prisonnier Rob Knight. Et en haut, Preston, Tawa, Hugh et Juju. Pourquoi j'ai pas de prison moi? Vous savez pourquoi j'ai pas de prison les gars? Parce que je suis le boss. Et le boss ne doit pas aller en prison. C'est pour ça les gars. Mais je vais quand même aller du coup dans la prison qui est là. Ok, j'ai utilisé une clé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, what? Le Huge Agony. Pourquoi y a un Huge Agony? Il a disparu. Attends, je comprends rien. Et je l'ai eu comment ma clé de la prison? Attends. J'en ai aucune idée. Où est-ce que j'ai eu ma clé de la prison? Et je peux ouvrir d'autres clés ou pas? Ah, c'est un truc à une tradable. J'ai dû le drop, je pense. C'est quelque chose que j'ai dû dropper. Bref, on continue notre petite exploration. D'ailleurs, je pense qu'en fait, je vais changer ça, parce que ça m'a l'air de pas trop marcher. Non, je vais pas mettre ça, je vais pas mettre ça. Attendez, je vais mettre ça. Voilà, magnifique. Du coup, ici, on a quoi de beau? On a une zone, on dirait qu'il n'y a rien dedans. Une piñata! OMG, je la casse direct, attendez. Piñata, les gars, il y a moyen que ça me donne des bons items, comme des clés, etc. Ah non, c'est vrai, ça donne ça, les piñatas, c'est nul. J'avais oublié, à chaque fois, j'oublie. J'oublie tout le temps. Ok, là on a eu un peu d'items, c'est cool. Là on a un Prince End Boss Chest, plutôt cool. Je vais réussir à le péter. Boum boum boum. Allez, pète-le, pète-le. Plus vite, plus vite, plus vite. Allez, donnez-moi plein de clés, j'ai l'impression. Allez, allez, allez. Et pas de clés. Ici on avait des coins en plus, pourquoi pas. Et là on a rien. Ok, bah c'est un peu triste. Bon les gars, je vais aller farmer tout seul. Ok les gars, on se retrouve un petit peu après et j'ai trouvé l'axolot sur la roue, le Huge Atomic Axolot. Et donc c'est parti pour tester avec le seul ticket que j'ai. Ça serait vraiment plutôt cool que je l'ai. Oh, j'ai même pas un bait, même pas d'espoir les gars. Bon bah dommage, dommage. Et puis dès que je retrouve des clés comme ça les gars, pareil. Mais de toute façon je vous ferai une vidéo je pense sur la roue et aussi sur le coffre qui est là. Et puis vous inquiétez pas, déjà le coffre c'est sûr que je l'aurai parce que je vous rappelle au cas où mais... J'ai déjà eu le Huge Agony, les gars, donc dans le coffre du monde technologique. Et j'ai aussi eu le Huge Wizard Westie dans le monde 1. Donc, le coffre là, les gars, c'est sûr que je l'aurai. Je vais acheter 1 million de clés. Mais par contre, les tickets, les gars, j'ai déjà fait des vidéos dessus et je n'ai jamais eu. Parce que vous le voyez, mais le Huge n'est pas sur la roue tout le temps. Ça veut dire que si vous tournez la roue et que le Huge n'est pas dessus, bah vous êtes sûr de ne pas l'avoir, tu vois. Donc, c'est pour ça que la roue est un peu chiante. C'est pour ça que j'aime pas du tout la roue. Et d'ailleurs, j'ai reçu des petits cadeaux. S'il te plaît, un bon pets. Et Marius, petit cadeau. Wesh, 2 millions. Trop gentil les mecs. Trop gentil les mecs. Ah, il y a d'autres cadeaux. Flop flop. S'il te plaît, envoie une exclusive. Mais il me demande de lui envoyer une exclusive. Mais c'est lui qui m'en a envoyé un. GG, tu as gagné. Oh, let's go. J'ai gagné. Trop bien. Bon, bah, du coup, les gars, je suis en train de farmer. Et puis, bah.
Bonne chance, hein. Bonne chance, bonne chance. Ok, re les gars, alors je sais pas où est-ce que je vous ai laissé la dernière fois. Dans tous les cas, là, ce qui s'est passé depuis tout à l'heure, c'est que je suis resté AFK pendant à peu près 2 heures. Et en 2 heures, les gars, j'ai récupéré 8 clés prison, plus un bas de clés des Void Key, donc les nouvelles clés pour le coffre. Donc c'est un peu nul en vrai. Et j'ai récupéré 0 tickets, pareil comme les clés du Void. Donc c'est vraiment de la merde. Mais du coup, j'ai débloqué toutes les zones et je n'ai pas encore fait le dernier œuf. Donc on va faire ça ensemble. Déjà, il y a un petit coffre ici gratos. On va le prendre. On dit pas non à ça. Mais du coup, c'est parti pour le dernier œuf. Hop. Et on a 3 nouveaux pets. Une vache à 1%, un petit axolote et un petit... un truc chelou, quoi. Enfin non, c'est un corgi. C'est un corgi, pardon, pardon. Si je commence à dire des trucs chelous alors que c'est des corgis, ça va pas le faire. Donc on continue. Allez, donnez-moi le corgi là. Bon, il est un peu rare, j'avoue, mais on sait jamais avec un peu de chance. Avec un peu de chance, les gars. Allez, on continue. Le corgi, le corgi. Attends, mais c'est en automatique ou quoi? Ah, je crois que je suis en automatique, les gars. Encore, encore, allez. Ah bon, ça m'a l'air compliqué pour l'instant. Oh, on a eu quoi? OMG, OMG l'axolot. Attendez, faites voir, faites voir, faites voir, faites voir. Et attention. Et ouais, on a eu la vache rainbow, l'axolot. Ok, très bien, très bien. Du coup, c'est parti pour aller ouvrir des petites clés. Alors, on a plein de prisonniers, je sais pas trop comment ça marche. Hop. Je déverrouille la prison. On a le prisonnier Yuro qui est dans le serveur, je crois. Et là, on a un coffre agonie que j'ouvre tout de suite. Et on n'a rien eu. Et le truc a disparu. Bon, j'ai rien compris, les gars, mais admettons. Du coup, là, on a une autre prison, la prison de Rob Knight. C'est qui, en fait? C'est des gens du serveur? Mais non, je crois qu'ils sont même pas dans le serveur, les gars. Je sais pas qui c'est. Attention. Et on n'a rien eu. En fait, c'est un truc gratos de l'agonie, c'est ça? J'ai compris. Du coup, en haut, il y a Preston, mais je crois que je l'ai déjà fait. Ouais, je l'ai déjà fait. On va devoir revenir demain, j'imagine. Et on a Tawa Soleil. Bah, lui, il est vraiment dans le serveur, par contre. Bon, il est plus là, mais il était là tout à l'heure. Je crois qu'en fait, il y a des amis à vous, les gars, qui sont là, dans les prisons. Mais moi, les gars, vous ne me verrez jamais dans la prison de Roblox, parce que je suis très gentil, moi. Donc, vous ne pourrez pas me voir dans la prison de Roblox. Ok, voilà, c'est gros mythe. C'est parti. Nouvelle clé. Et on n'a rien eu. Ok. On continue avec la prison de Hume. Ok, c'est parti. Et on n'a rien eu. Ok, on monte à l'étage. Il nous reste deux prisons. La prison de Ig. C'est parti. Et on n'a rien eu. Et la dernière prison, la prison de Juju. Attention Juju. Bon Juju, pourquoi t'as mis un skin de fille alors que t'es un homme? Juju qui est... Comment ça mon ref? Et on n'a rien eu. Ouais les gars, je vous conseille de ne pas faire ça. Après les clés elles sont illimitées donc enfin, vous pouvez, et en plus vous pouvez pas les vendre les clés. Donc je vous conseille quand même de le faire. Parce que vu que vous pouvez pas vendre les clés, bah ça sert un peu à rien de les garder quoi. Enfin bref les gars. Du coup qu'est-ce qu'on va faire? Je vous propose qu'on s'arrête là pour l'instant. J'ai ouvert les clés, j'ai ouvert un peu tout ce que j'avais. On a un peu découvert la mise à jour et puis on se retrouvera plus tard je pense. Les gars, je vous reprends vite fait, mais c'est vrai que j'ai oublié d'ouvrir mes iPeg. Je me disais en plus dans ma tête les gars, je me disais mais j'oublie quelque chose là. Je me disais j'oublie quelque chose. Et oui oui oui, j'ai oublié d'ouvrir les iPeg. Du coup c'est parti, on va directement les ouvrir. En plus il y a quelqu'un qui a eu le Titanic juste tout à l'heure. Donc si on a aussi le Titanic, je serais très content. Allez c'est parti. Allez 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 allez. Ah dommage. Première raffle, on n'a rien eu. D'ailleurs, les gars, j'ai fait une vidéo où j'ai ouvert 500 iPeg. Donc je vous conseille d'aller la voir. Franchement, elle était vraiment cool. Franchement, elle était vraiment cool. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Et du coup, c'est parti. Deuxième raffle d'iPeg. Et on n'a rien eu. Et c'est parti pour la dernière. Et il nous reste combien d'œufs après? Il en reste 4. Je vais en garder un pour la collection. Vous me connaissez. Et donc c'est parti. Oh, le flop. Oh, le flop. Oh, le flop. Oh le flop! Oh là là! Bon les gars, faites comme si vous avez rien vu, d'accord? Faites comme si vous avez rien vu parce que là c'était un très gros flop. Très très gros flop. C'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça.